Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Êtes le bienvenu sur ce plateau des éclairés Bino Bato Bolinga Vérité Bino Bato Boluna pour moi la mité Manabino n'a pas Bino Bato de Mingi Ndenge Bopona chaîne projet comme télévision na mongongo ya Samba Olunga Ndenge na mbaga na Bino toujours que Mokili Eza balance justice ya Nzambe moto mokote Aisha paka na contrôle nango justice ya Nzambe erataka moto mokote. Ce qui est au la mabe, ou est barate, ou au la mabe, ou lobi moto à mon anaïte, tope moto à Kolobananga, azate pour un aza yanke. Yeba ki yanke, le kaba yanke azali, izali yemei, l'éternel Dieu des armées, c'est lui qui rend justice à tout humain sur terre. Yeba yaboke, yone gozo mone la biso zo kanza gomone li justice ya Kongo, zame ba mone la kaïte. Li so zame gomona yo keba, nous serons tous redevables pour nos actes sur cette terre. Oh yo, olo na yebo ko buka kayabo. Un jour, mote mingi pa papa, apôtre Gérard Kabeya, bon dimanche à vous. Mote mingi et pa maman Lisette Moubendou, papa Jean-Louis Timbalanga, na pesi mote na DG, ya oni pazali pour soutenir les réseaux de vous congolais pour être Congo et Téléma à travers l'identification. Bien sûr, bisika nyonso bozwani. Oyo kozali kolanda mongongo ya Samba Olunga à travers des décryptage et analyse à l'information na RBC. Na pesi bino matondo mingi pe na souhaiter bino le bienvenu na plateau ya Debout Congolais. Sika o makambo na ye na ngo eza makambo oyo eza kotenir biso à cœur bino nyonso esika bozwami na Congo kozali kolela mpona likambo oyo ya eteni moko ya mabele na biso ezali bongo na maboko ya bamuna ezali bunagana. Mais ce dimanche, je viens auprès de vous avec des informations, des révélations, des analyses par rapport à la situation qui va prévaloir dans Bunagana. Est-ce que solution est allée à travers dialogue, solution est allée à travers Bitouma? Comment le président de la République, Félix Tshisekedi, a déjoué Oyo Izalaki plan à l'ennemi à RDC visant un chaos général qui va entraîner les pays dans la balkanisation? Quel est le rôle que joue Vital Kamerhe? Qu'est-ce qui se cache derrière ce rôle-là, Massima Lobaki? Mais je viens encore avec beaucoup de détails à travers cet élément. Nini Oyo Biso Bakongole et Sengeli tout ça là. Dialogue Oyo Bazako Mukamotene. Bisolo Oyo, plan triangle Oyo Kamerhe Azali Kopesa. Ya Sili Bongo Kolobaete. Apeci solution moko triangulaire ezali kosangisa RDC au sommet Rwanda na Uganda lisolo parce que tozala ba éternel voisin et yango ezali kosenga ete bosoloni ezala yango toali komituna dialogue à quel prix est une et ça sera-t-elle une solution éternelle, solution durable ou bien lisolo et kobeta maka Ezali bongo solution moko provisoire. Et puis derrière la réalité de ces pays qui partagent des frontières se cachent aussi de multinationales, des entreprises, la logique européenne prouvait que la guerre continue pour être bango va continuer pour tirer ma dividende à bango. Alors tout à l'heure, à travers le décryptage de l'information, on a coupé Sabino Awa, tout voyez par vos hommes bien, on a mis tout dans la puce, tout allé pour mettre tout dans la table, ils sont au Ghana. Et comme pays, topé et comme l'ikamo nini. Président de la République a signé mon père pour soi. Mokano et a voué le Sandinga le bâti pour mon conseil des ministres. A aimé si bon puisse ma ville été à Sala, Mokino qui pouvait être ma bienvenue sur ce poulet à l'État. Ils ont la mambo et à l'État au volet. Une guerre pas facile. Les amis pendant son but du matin ont été vite. Il m'a pas l'union sur l'État. N'est-ce que tu as l'oubli? Pour la plupart, et que dans la bonne maboko, il y a bien au bateau, nous voyons bien ma gang, Oyo, Babotra, pour voir l'État congolais, surtout Mingi, ma kabiliste. Je reviendrai sur ce sujet pour clôturer. Encore une fois de plus, ici, quand nous sommes aux Oies, nous sommes dans le nord, dans le sud, dans l'est, tout le pays dans l'ouest,
Na Congo topé à l'extérieur du Congo, bon na nabiso à partir à Kigali. Samba olonga apesi bino matondo. Ici kozwami tombola bendele émission ici li pongo ko banda. Na se pla na mingi bato bazala ka faire rese na motema. So yo molimo na yo pona Congo ezali priorité té plateau na nga na kanisi ozali bienvenu té. Plateau ezala pona ba mouri ya mboka. Bato yo pongi na bango ekata na soki mboka ezali ko kende malamu té a solo. Basi toye wana ndebizo tuzana bango kusenga kwete ekolo Congo ekoma solo ekolo oyo bato bakutosa pe bako bango. J'entre très rapidement na actualité ndenge na sili bongo ko annonce bino yango. Ça fait maintenant plus de 3 mois que Bunagana ezali sous occupation étrangère, c'est-à-dire sous occupation de l'armée rwandaise. Chaque jour qui passe nous amène son lot de problèmes. Nous sommes aujourd'hui habitués soit à des informations sûres qui viennent des sources crédibles, soit à des fake news qui circulent de temps en temps dans les réseaux sociaux qui nous mettent très mal à l'aise. Mais les lots à Ouanaïs, c'est qu'on a éclairé la situation parce que Batoubele Moutounira nous joue dans le Samba Olonga, vous avez vu que nous avons dit que nous avons dit que situation, solution, nous avons dit que nous avons dit que nous Kamera moi qui on a Kamera n'a pas mis solution mais quand on met la bisounaie à on a répondre la bitouna la bino. Yambo toba na yebe te bunaga na koyo na sina metali pe solo na mo eza point moko très stratégique. Outre une simple cité frontalière où tous a on a tous ali pour partager ba réalité ba commerce et ça la kawana ba mitu ka ba transaction et ça les manga entre Congo na Uganda, il y a des gros intérêts qui se cache derrière cette cité. Oyo, ba multinational, ba agent interne ya RDC, externe, régional, ba zala la provise yango. Sika, tomoni e oumeli. FARDC kote na ye tomoni ke a lancé a sauté. Parce que quand vous avez oublié dans le solo, ya bunaga na batouba ye bagate. C'est-à-dire, soko zali na matete, pas matete, pour okoum ma bouté. Peut-être que les gens ont besoin de combattre des bateaux qui chassent ma lame. Ce qu'on a besoin de faire à l'aéroport Yandjil. Je pense que les 7 km, et que pour les cas soit à l'aéroport Yandjil, ils ont besoin de mettre le cimetière à Kimpoli. T'as la distance où ils allaient pour séparer FARDC dans l'armée rwandaise où ils allaient pour venir à M23. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas bloquer, moi, comment ils allaient pour la bango. Et si vous faites FARDC, la vie soit terminée, et si vous faites bango bakaye. Pour la bango, ils ont buté la bango de guerre. La logique officielle, au bango, ils ont dit qu'on peut imposer Bissot via ma parrain la bango, c'est de reconnaître que ces gens-là, ces assaillants-là, ils ont perturbé, ont paralysé via toute une cité, ont dépaysé les citoyens à Moko à Moko. Ils ont dit que Bissot doit reconnaître que les barbares, les terroristes déclarés par notre gouvernement, il y a les Bissot, ils ont dit que les Congolais, il y a même allé tout reconnaître les revendications à Bango, les amis pour nous, pas pour ton armée, pas pour ton armée, tout ça, tout ce que nous bien combattons, et que ce sont des alibis juste pour justifier la présence de Bango dans la manœuvre de Bango, les amis pour ça. Si les pièges, comme je venais de le parler au début de notre émission, tant que M23 a accueilli à Kangi pour la Ghana, c'est juste aujourd'hui, sans embâche, il y a une complicité de l'Ouganda pour que le M23 puisse bien s'asseoir dans la cité Ouganda. Parce que les événements tels qu'ils se sont déroulés, ils ont là la possibilité que l'armée ougandaise puisse aider, même de manière instinctive, l'armée congolaise de manière à endiguer la progression des M23. Mais l'Ouganda a empêché aux FARDC d'utiliser leurs frontières pour nous barrer route dans Batouana, dès que Batouana qui va occuper la cité. Ce qui a fait que tout le monde est venu sur notre armée s'est même réfugiée. Nous avons un militaire qui a désarmé pour un temps dans le sol ougandais. Ce qui a permis au M23 d'avancer. Toujours à titre de rappel, tu es bien, madame Christophe Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, à Yemsa Kimiso. Pourtant, il s'est souhaité, dans la négociation, tant qu'on va accueillir les solos, tu vas pour parler. Dans
niveau ya Angola na Rwanda, Museveni a dengi bango koyebisa bango ke kuna bozo sala na bino masolo bozo sala na soki bolingi ngai tokoki kosolola na président Paul Kagame pour trouver solution na ka président Mulenga ya M23. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il a avoué ouvertement que l'aide aux alliés de Kabouana Bissotou et Biango, président de la Bilonde, a solo. C'est-à-dire, c'est sous un autre langage, tu peux interpréter à Moulengiwan. Et l'équipe de Mikolotomoni, président Félix Tshisekedi, a-t-il dit délégation? Il y a beaucoup de gens qui ont dit que Mokon Abango a-t-il dit de mon avis sur Kaza, il y a la communauté. Pour aller représenter la partie congolaise devant Museveni. Museveni n'a pas parlé devant ma caméra. Et là, nous avons décelé les intentions de Museveni qui joue un double jeu. En même temps, Azali pour sécuriser Naye, Azali n'a qu'à la logique, il y a M23, au Bango Azali pour entretenir une part et pas la Bango Ougandé, de l'autre part et pas la Ougandé, puis la France la Bango. Mais, entre-temps, il entretient aussi de bonnes relations avec le Congo via des opérations conjointes UPDF, FARDC, qui jusque-là n'ont présenté aucune anomalie. Donc, tout le monde s'attendait, parce que c'est là maintenant où les pièges se préparaient. Que lorsqu'on ravire Bino, une partie de voters, armée loyaliste, FARDC na biso bazali dans le devoir, dans l'obligation constitutionnelle na bango, ya kobune tomba pona ko récupérer mabele wana. C'est là où se trouvait le piège. Lelo biso tozali ko comprendre le piège ezali nini. La communauté internationale, dans la ba communauté internationale na sangisité na ba innocent ba pays mususu bazali impliqué directement. C'est-à-dire ba pays mingi ya Occident. Oh non, bah j'ai trouvé mes intérêts dans ma moté derrière des marches africaines, ce qui est dans la pacification et à l'est. Bounaka n'a pas mis le coup la rempart dans ma moté. Bah constitué Mayo dans ma moté pour na quantité pour le Kagame dans Museveni. Bah pour y a application y a plan régional où ils allient y a pacification y a est y a République démocratique du Congo, poumon vital pour toute la région. Les engagements pris à Nairobi, na Kenya, ils ont de nature à favoriser un climat de paix, d'échange économique, tous les plans entre les pays. Mais Bango, local, la Bazali, qui travaillait avec des mafieux, des multinationales, pendant des années, l'Ouganda, puis les minéraux au Congo, le Rwanda, pour ne citer que ces deux pays-là, Bazali, pour extraire l'Ouganda, a aussi la possibilité de prendre l'or du Congo, il n'y a pas à ce qu'on appelle l'Ouganda peut être d'accord. N'est-ce qu'il n'y a pas à aller pour ça. Si on va comprendre que les enjeux maintenant sont là présents, ils ont dit qu'on veut mettre fin à cette situation. L'on va mettre dans le Bango, basé dans la santé, base la résistance, il y a des problèmes pour l'Ouganda. Ils ont dit qu'il faut constater, ils ont dit que tout. Les enjeux tournent autour de la volonté du président Félix Tshisekedi de vouloir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Le rôle des amis qui sont tournés page, bataille interne et externe, il y a autre aux amis pour bien la guerre, business, basali pour s'entêter, basali bloc et la résistance. C'est-à-dire, à un moment où les amis pour nous, bango piège batandaki, surtout mon insistance, ma casse armée rwandaise. Kagame ne s'est pas entêté de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une frange du côté américain qui a entêté Paul Kagame. Les Européens également, principalement la France, Batikala Kozalate, d'accord que Makabo et Salema Nali ou Félix Tshisekedi d'Azali pour Mélayamo. Voilà pourquoi nous avons constaté entêtement Yamakas. Kagame a signé à Nimi Bakéi même Namoula. Basu engagement par les missions que ça la retrait à la militaire nayo. Des injonctions sont venues, Kagame n'a même pas broché. Malgré déplacement nayo au Kende, la médiation a joué au reste pour retirer ses troupes na Katia ou na Ghana. Kagame n'a pas osé broncher. Alors dans ce dit, il a reconnu en parlant indirectement que Yemoro Lazali a tel sur le terrain et sa présence dans Nairobi. Et tant que ça dit vraiment solo que
Paul Kagame azali yemoko paré ya ba M23. Cette base là dès que la disait que là que les pièges étaient là. Mais qu'est-ce qui a été tendu comme piège à Félix Tshisekedi? Les pièges étaient aujourd'hui à découvert pour ceux qui l'auront constaté, on avait piégé l'armée congolaise. Parce que Bitumbawala, Bisotonga, Tumbunana, deux armées à la fois. Et celle de Museveni et celle de Kagame. C'est-à-dire l'objectif pour la Bangoué, c'est là qu'il n'y pas poussé Félix Tshisekedi à la faute. Parce que Bitumbawala, Bisotonga, Tumbunana, les FARDC interviennent sur plusieurs fronts. Si Félix Tshisekedi, dans certains conflits, fait intervenir la logique diplomatique, c'est pour éviter que nous allions de guerre en guerre. Ils ont une phase où, stratégiquement, Félix Tshisekedi évite la guerre pour retarder certaines choses dans la diplomatie de manière à éviter de surcharger notre armée qui est en pleine réforme. Armée Nabissoua Zali Kobunda, dans ma rébellion, plus de 100. Bah, outre ma rébellion Zali Kobunda Nango, bah, défi au Joseph Kabila Tikeli armée Nabisso, ce ne sont pas des défis faciles qu'on peut résoudre d'un clin d'œil, d'une seule décision, bah, là, où vous trouvez solution. Les gens qui auront compris ça, bah, ça très patient. Et c'est là le nez gordien de l'affaire Bounagan. Félix Tshisekedi, Tango, a moni que le piège est là tendu pour que l'armée congolaise se lance de manière désordonnée, va créer conflit, complot. Parce que le scandale, il y a ça, les gens qui ont la décision à Tshisekedi. Ceux qui s'est chauffé, pour se chauffer, Malubi, la solution elle est purement militaire. La solution, les armées à Bissot, il faut préparer notre armée. Nous avons entendu le Mouengue, le Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, j'en passe. Plusieurs personnalités ont dit il faut que notre armée attaque. Et même l'armée elle-même, elle était chaude pour aller déjà. À te donner la traite qui Félix Tshisekedi de traître, parce que jusque-là, pourquoi l'armée n'avance pas? Alors que les engagements pris du côté diplomatique, ils avaient aussi la question, c'est le fait, ça là. Batoua n'a pas tout ça, par engagement, ou par besoin qui est calé pour ça, les matins. Mais c'est après, maintenant, aujourd'hui, que nous découvrons que derrière cet arbre, puisque tout ça, pour moi, dans le cas de Ghana, se cache un intérêt économique pour les Européens. Pour les Européens, Félix Tshisekedi ne sait pas négocier. Ça, c'est le point de vue européen, surtout pas français. Parce que nous avons bien des causes dans la banque, il y a un peu de choses qui ont amplifié et qui ont été éclipsées. Et bien, il y a un foyer d'attention pour les privilèges et qu'on peut mettre dans la banque qui est basée matière. Donc, pour eux, j'entre maintenant dans la réalité, ils allaient concerner la vision de la caméra à Aena. Vous verrez que, à un moment, le gouvernement congolais n'a plus ouvert, n'a plus laissé la place au dialogue. Pourquoi? Après avoir levé l'option, Yakobo a pris des négociations avec les mouvements terroristes. M23 classé mouvement terroriste, c'est-à-dire qu'on peut dire que face au monde entier, nous sommes restés seuls. Même notre partenaire privilégié n'a pas voulu soutenir les points de vue du gouvernement congolais qui a classé les M23 comme un mouvement terroriste. Dans le vrai sens, si les États-Unis étaient d'accord avec cette décision prise par Félix Tshisekedi, ils devaient endosser. Bah, il n'a qu'il peut pas qu'il ait la sens où on a pour étouffer le M23 dans l'œuf, c'est-à-dire clouer Kagame au sol. Ils ne l'ont pas reconnu. Jusque-là, Bango va continuer pour insister la pression de Bango aux États-Unis que Félix Tshisekedi engage de pourparler direct avec les M23. Alors que, et l'homme va vous basaler au Sénat pour parler, les alliés M23 TND va vous basaler au Sénat pour parler, ils veulent que Félix Tshisekedi négocie. Ah, on a fait le milieu de Kamoko, les acteurs vont te mêler, vous avez pas voté. C'est dont on discute là, les alliés Lango va. Nous tous, nous avons bien ceux qui portent parole à M23, nous avons voté pour des choix. Ah, comment les alliés Lango porte parole à M23 ou comme les autres qui m'en aillent. Willy, ceux qui n'ont pas. Voilà. Ce n'est pas une affaire de panthère, des gens qu'on nous montre tout le temps être responsable du M23. Non,
La question n'est pas ces gens-là utilisés par journalier wana. La question est politique. Batu oyo bazali na sima ya ba journalier wana ya ba makenga na ba 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 wilisi kimoma nde ba kolo likambo na bango. C'est-à-dire pour une frange des Européens et des Américains on va jouer diplomatie na bango wana Félix Tshisekedi veut saper leurs intérêts. Voilà pourquoi ils ont amplifié la crise. C'est-à-dire résistance au biso to moni na bunagana. Ils ont une résistance seulement visible à travers les M23 qui occupent le Bunagana et notre armée qui doit attaquer. Non, ce qui est au moins la réalité de la forme, ils ont des places où ils ont toujours se trompé, toujours arrivé à découvrir la vérité. Je ne sais pas si tu as dit, ce qui est dit, Félix a osé pour s'engager, pour engager guerre. C'est-à-dire qu'il a fait des choses pour assaut dans la force. Sans mesurer les conséquences de voir la dimension internationale de ces conflits qui nous avaient déjà piégés. Ça dit c'était le chaos. Pour eux, ça allait être profit. Dès la minute, on est en train de faire des choses. Comme un pays, mon sous. Il y a un Francine Mouyouba Lobby, qui est le gouvernement, qui a dit que le pays est organisé comme un pays, mon sous. Et ça, on a pour la minute, on a trouvé une vérité. Cette dame-là est en train de se moquer des Congolais. Ils savent le plan qui a été établi. Le piège était que guerre ouana est engagée de manière brutale, mais surtout engagée force sans l'intelligence. Et comme ça, ils devaient prendre raison sur nous parce que Bitumba ouana n'a qu'à la population dans une cité habitée, tout le monde est en côté. Et ils devaient profiter maintenant pour amplifier la crise. Voilà, c'est un chapeau dans le toit de ce qui est. Comme les kabilistes maîtrisent bien ces histoires, il y a un mot, pousser tout le temps à télé. Tshisekedi, oh l'armée, pour la ligne de bazo engagée, armée, et ça faillit à la diplomatie. L'air est grave, très cher compatriote. Ce qui pour Monique Amere a eu beaucoup de temps à jeu, sachez que l'air est grave. Nous le connaissons sur le balan de la télévision. Batouana, par exemple, dans mes interlocuteurs, dans ma roue, dans mes îles, dans ma roue, bien. Amere a venu à la prison à Kéwa. Amere est allé en France. Les Français, wana, ce sont les vrais ennemis de ce mandat à Félix Tshisekedi. Il n'y a aucun, rien de clair entre la France et Macron et Tshisekedi. Et pourtant, ils étaient amis lorsque Tshisekedi était dans l'opposition. Rien n'est clair là-dessus. Pour les Français, pour les autres, là, malade, ne peut pas attendre pour qu'on le dise parce que Tshisekedi ne m'écoute pas. C'est de là que jouent les rôles. Parce que celui qui a mafié était deux fois, na quand il y a clé pour mafié, le discours n'avait pas été compliqué. Il y a un peu de temps pour ça. Na quand il y a un peu de temps déjà. Le rôle que joue Kamere, c'est un rôle refusé par Félix Tshisekedi dans l'entourage où il y a Zagina Mota ou Kamere Zagina en prison. C'est maintenant le rôle que joue Kamere. Celui de nous retourner dans la tente ou dans la cercle ou dans la boyokani. Après si Awa Kamere a dit pour naïe, après si stratégie naïe, il y a triangle. Triangle, wana sous côté triangle, vous voyez bien que triangle nous a dit, la RDC au tribu sud, à côté il y a le Rwanda, à côté il y a l'Ouganda. Ce sont nos voisins éternels, d'ailleurs Félix Tshisekedi l'avait dit, il n'y a rien de là-dessus. Il faut Toyokana, ce qui nous sommes n'a pas de problème, nous sommes toujours pour résoudre la moté, et voilà. C'est-à-dire que la mère a mis le pomme dès le 2008 ans, la mère qui est dans la mission. J'aurais entendu même parler qu'il serait dans les traces, dans les trousses, il y a Batouana, Bazana, Masoulou, Nabamou. Bame Kakosoulou. Parce que du côté américain, c'est ce qui est imposé. C'est ce qu'on veut. Que le gouvernement puisse finir par collaborer avec ces gens-là, Masoulou, Nabamou. Oh, les soleils ont la mort ou anaté. Déjà, la montée est pour le barreau. Donc, Kamere serait en train de trouver intérêt d'entente pour négocier avec ces gens-là. Et normalement, c'est la voie de sagesse qui peut permettre que le chaos n'arrive pas. Bande cohésion facilité, bateau va vous chanter déjà que vous organisez Moka ou éviter dans le laboratoire congolais à quel prix ça se joue pour que notre pays soit intact. Ils ont activé sur tous les plans bah, mécanismes pour faire chanter Félix Tshisekedi. Sur tous les plans,
Mabe ezali penda makasi tant naza ko lobagana lobagana ba émission nyonso ya certaines personnes bazoka tsangi toza bato toya toza ko alerté toza ko lobande to loba c'est bon mais nous devons être aux aguets. Kamere est en train maintenant de jouer son jeu azali mutu o ya ko ikoza l'interlocuteur valable ba pension musala tu lo gari musala ozala YouTube pour la nation ya ngwa zape musala musala na ye. Il y a un zone à la carte à Moussolo. Selon les exigences américaines, à Solo, n'a pas droit pour trouver un terrain d'entente. Ce que vous pouvez trouver, vous pouvez trouver un terrain d'entente où on a tourné à la solution triangle à mon pays. Il y a un temps dans la zone où vous formez pas la plus longue à la révolte. Si vous continuez à élever vos enfants de la même manière que nous nous avons été élevés, un peu lâche. S'en foutiste face au problème d'un pays si riche comme le Congo, vraiment, moi, que vous allez sauver. Nous devons nous révolter. L'éducation, votre presse, ça n'a pas dans la plus, il faut pas qu'on la nakanda pour la mort au Congo. Voilà, maintenant, là, c'est toute la communauté internationale, c'est toutes les puissances du monde qui s'accordent. Parce que ce qui est arrivé pour la Russie et Moko, pour la Chine, il n'y a pas de négociation. Mais, et là, au fait, c'est qu'il y a comprendre les amis que ceux qui t'ont engagé dans la voie, il y a rapidité dans la force, c'est nous qui mettons notre pays en danger. Voilà pourquoi il faut utiliser, il vaut mieux utiliser des voies détournées pour apaiser la situation. C'est une solution provisoire. Pour que la solution devienne définitive, là je rentre sur le caméra, il a donné la priorité à notre armée. C'est-à-dire, solution à l'émotion des alliés armés, la biseau, tout équipé en haut, tout zone en forme. Et la deuxième solution, c'est la diplomatie. Et donc, solution, union se reçoit à travers le dialogue, un échange, dans Batouana. C'est une solution adaptée pour un moment. Et ça, nous avons arrêté mon hémorragie, mais ce n'est pas ça la solution définitive. La solution définitive, repenser l'éducation congolaise. Enseigner le patriotisme, rénover à tous les niveaux de notre éducation, réforme de l'armée, service militaire obligatoire. T'as les la solution, c'est que nous sommes tous. Pas aussi par le niveau tout le monde a vraiment même nous sommes tous tous allés pacifistes, tous allés non violents. Tout le monde a les mêmes solutions, mieux les plus importants. Parce que dans l'île, tous allés au Kenya, avec bateau et à modèle. Ce plan ici, la intention à Batoyo, le rôle à Banaka, la Isana Makila, la Bango, ils n'arrêteront pas aujourd'hui. C'est vrai qu'il y aura toujours des échanges entre nos deux pays, mais il faut vraiment renforcer les mesures sécuritaires dans nos frontières, surtout avec des pays, il y a la zone rouge. Et la facilité. Ça fait très mal lorsque je comprends ces choses. Mais ça, on est capable. Félix Tshisekedi est en train de sauver les Congo dans une distraction totale des Congolais. Les Congolais sont distraits parce que pour la plupart des Congolais que nous sommes, Makabouza ou Nekanamboga na Bisso, ils ont gagné dans vous ailleurs. Nous devons comprendre à mon dégénaillé. Les soucis ici, ils allaient que Bisso tous à la bas ignorance sur ce qui se passe dans notre pays pour pas s'accaparer à Bisso dégénéballé. Et voilà aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'il m'a vendu la République, Félix, c'est qu'il n'agit pas, il n'est pas en mesure d'agir. Non. C'est une situation délicate, mais avec sagesse, volonté politique et avec l'unité et la détermination des Congolais, on pense déjà que les dangers seront endigués pour un temps. Royal Hands Foundation. Médicaments directs, envoyez-nous l'ordonnance de votre proche depuis le Congo RDC, payez en ligne. Nous irons la chercher à la pharmacie, la livrerons directement à votre famille en moins de 24 heures. Visitez notre site www.royalhandsfoundation.com. Téléphone plus 44 73 05 94 65 59 plus 243 900 064 326 plus 44 73 05 86 94 88. Royal Hand Foundation, médicaments directs. Au danger, oui, comme a dit Nasuka, même en termes de loi, il faut changer la constitution en mode à la mission de la télévision.
Vous ne vous rendez pas compte que beaucoup un jour, tant que les Congolais seront ignorants et ne comprendront pas, nous avons fait ce biso. Et ce qu'il y a, on va déclarer biso. Bien, nous avons la richesse comme un patrimoine mondial. Comme ça, tout le monde peut s'en occuper comme il veut. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Avoir les choses, c'est ce qu'ils sont en train de faire. La logique occidentale sur le plan international veut que le Congo soit un gâteau de tout le monde. Nous tenions soit dans ma casse, il y a besoin pas de la Congo à soi, mais dans les désordres. C'est cette logique-là, nous avons combattre. Logique, voilà, nous avons bloqué ma cave. Nous avons besoin de penser. On ne peut pas en une année transformer une armée qui était au bas pauvre, armée au bas nion, bas baby, si Kabila pendant tout le temps. Par contre, nous avons automatiquement une armée déjà réformée, capable de répondre à tout. Non, nous avons des défis que nous devons surmonter avec le temps. Voilà pourquoi la diplomatie est nécessaire, parce que même par la force, nous avons déjà ruiné, ça fait longtemps. Nous sommes entourés de 9 pays. Il faut une stratégie pour te redécouvrir place dans Bissau. Il faut une diplomatie pour aider Bissau à gagner l'État pour s'organiser à l'interne. Mais voilà ce que font les Occidentaux, ce que font les Occidentaux. Bazali Kosbongama avec les ennemis internes. Déclaration à chaque acteur politique. Comme ça, chaque fois que l'événement c'est que va comparer, pour comprendre qui sont les ennemis internes de la République démocratique du Congo. Et ils sont prêts. J'avertis ici que la menace n'est pas encore écartée. C'est le temps de Dieu pour le Congo, on n'en disconvient pas. Mais, Bouna, c'est le temps où nous devons unir nos intelligences. C'est le temps où le savoir-faire est à ma Congolais. Il faut tous unir pour travailler de manière à ce que tout soit place dans la puissance pour que tu aies profité de la richesse dans la puissance. Sinon, personne n'aura pitié de nous. Balobi. Américains, bah, voilà ce que font les Américains. Quand on va monique, chantage n'a pas eu comme une appointe à titre de ressources. Parce que chaque jour, on va se chanter la catégorie de l'interlocuteur. On a changé encore d'interlocuteur. Pour mon acquis photo, il y a un Américain autour de Yaha, on est au Zomon, on a eu des sources, aïe au Baksam. C'est pour changer. N'est-ce pas, on va se changer d'interlocuteur, on va se faire intention à Yé. L'Amérique maintenant est prête à vouloir maintenant accomplir les plans selon les Bayokanaki. Distraction sur distraction, si les Congolais ne se révoltent pas. Si les Congolais trop comprennent qu'il faut être debout, sachez que ils sont aussi au lobby. Ils sont aussi au lobby. Réveillez-vous, chers frères Congolais. Bounagana est une part du Congo, est une partie du Congo. Mais Bounagana retourne bientôt entre les mains des Congolais. Parce que c'est ce qu'ils vont se faire. Bah, vous se retirer quand la Négue va se retirer en 2013. C'est qu'on ne sait pas nous dire clairement, c'est le dessous des cartes. En 2013, Bounagate. 2012, pardon. Bounagate. Tant que ça a pris d'une année, Bounagate. C'est toujours ça. Ceux qui ne peuvent pas réclamer, j'ai dit, ce sont des vérités que vous devez considérer. Naïmi et Maramalobaga, et ça, la paix de Maramandam, la Bilo. Vous avez tout le temps d'aller faire mener vos recherches, mais surtout d'être debout, éveillé en tant que Congolais, parce que l'air est grave, virage Oyo, ils ont un virage Mongo important. Les Congolais veulent arracher une part de sa souveraineté. Nous devons être préparés et éveillés surtout. Alors, je vais chuter dans les Congo Oyo, il y a plus. Mwabilu, ministre, il y a l'urbanisme et l'habitat, le président de la République a fait une mission au Makasi. C'est pour ça que les Agatatas, ils ont besoin de Barakata. Quand la dernière allégée est à Zotambo, la Batonsou, la Tchézou, la Tchézou, la vidéo est à Zotambo. La dernière allégée est à Zotambo, la garde corps. Moutou, comme il est le président de la République, ce monsieur ici, on ne sait pas ce qu'il devient. Parce que c'est l'homme le plus ciblé. Dans le bateau, c'est que déjà vous travaillez dans le bango. Ceux qui ont une seconde, il y a un répit. Ils sont prêts à tuer cet homme-là parce qu'ils sont nuisibles
pour l'intérêt de la mafia. Voilà pourquoi il doit être protégé de manière stratégique. Quand on entame les gens pour la renouvelle, les gens plus mobile parce que mission et ma pensée à bout de la bandage, la mambo, la bamine et à talent, les admissions pour faciliter. Bandeko qui travaille la sécurité auprès du ministre de l'urbanisme et habitat, plus mobile pour ça la sécurité malade. Mission et sa facilité. Même si on va marginaliser qui est trop. C'est un monsieur, on sait qu'il est ouvert d'esprit. Parce que c'est une mission difficile. Il y a un bout de la mapam, il y a l'État, il y a un bandit. Tous ces bandits ont pris les biens, il y a l'État congolais, il y a un commissaire qui a bango. C'est une mission, il y a un bandit pour récupérer, pour nous soucier déjà récupérer, il y a un particulier, il y a un zombie. Mais s'il faut voir maintenant, c'est tout en dessous de l'étendue de la République. Le bacabiliste est venu à la Libanda. Parce que pour tous les gens qui ont de manière politique, alors qu'ils n'ont pas de ceux qui ont mis la réunion dans une semaine, mais scandale. Ils ont la communauté. Alors, il faut des mesures conséquentes. Ces gens ici sont des brigands avec leur banditisme d'État installé dans le pays pendant 18 ans. Outre la mentalité à Mobutiste, vraiment, ils allaient étape beaucoup facilité. J'ai tenu à vous informer, puis nous allons ressortissants des terrains, les l'État ça sont dans la carte, nous aurons des experts, il y a forme et la forme. Bien il y a l'État parce qu'il y a la moté, ils allaient propriété commune, ils allaient pour l'ensemble des Congolais, ils allaient l'eau pour l'État congolais pour tous les Congolais. Comme ça va bien occuper. Nous avons dit, voilà l'émission tient à sa fin, vous étiez le droit de suivre. C'est dimanche à suivre Samba Olonga. Na lubaka biso soki tozangi kozwa bango. Justice ya Zambe ezwa ka bango kaka. Yo benga no ka gangi. Botola ka mapango abantu ndenge ozwa ki okanti ki yanga ba kokona te. Même soki ya plus mobile na ba équipe bazo travailler ba kokona mapango ndenge botola te mususu. E ye ba Zambe za kokona. Un jour ou un autre, tu finiras par payer le prix de tes actes. Mbongo eza bonheur te. Vous vivrez à la maman et les bannes, vous avez fait à la prière, vous avez fait à la boutique, vous avez fait à la boutique, vous avez fait à la boutique, vous avez fait à la boutique. Si vous avez fait à la boutique, vous avez fait à la boutique, vous avez fait à la boutique, vous avez fait à la. Merci à vous pour la dernière émission. Merci à l'attention particulière pour vous faire à la Samba Olonga. Je remercie l'équipe technique qui a accompagné Kingaï. Il y a des combis à chaque fois de l'émission. Et comment il paye la bino, la PCP Moto Domingi, n'apôtre Gérard Kabea, Mato Domingi, na maman Lisette Mombendou, le réseau des groupes congolais s'étend davantage. Merci à papa Jean-Louis Timbalanga, merci au DG de l'ONIP qui nous soutient aussi. Vraiment, le réseau des groupes congolais s'étend. ONIP toujours en avant, identification à ma congolais, mais priorité des priorités. Jusque-là, nous ne sommes pas encore congolais. Le DG Richard Irunga, tout pécio vraiment pour Sala Makasi, gouvernement pour pécio et Bamoya, surtout toujours identité, toujours souffle, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il faut recenser, il faut dénombrer pour Sala Naï Salima, pour être planification à Malouma et Salima. Bidye pour Sala Nengenin, Nengenin est pour Sala consistant, Nengenin est pour Sala normal, tant que vous avez besoin de nombre de tous athées, même quand vous avez besoin de Bamou. La Soukiwana, c'est dans l'unité, dans l'amour que nous allons reconstruire notre très et cher beau pays. On se dit au revoir et au numéro prochain. Royal Hands Foundation. Médicaments directs. Envoyez-nous l'ordonnance de votre proche depuis le Congo RDC. Payez en ligne. Nous irons la chercher à la pharmacie. La livrerons directement à votre famille en moins de 24 heures. Visitez notre site www.royalhandsfoundation.com. Téléphone plus 44 73 05 94 65 59 plus 243 900 064 326 plus 44 73 05 86 94 88. Royal Hands Foundation, médicaments directs.